C'est parti. Alors. C'est classique. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est une belle manette. Salut ami, je viens en paix. Oh putain, me rentre pas dans la gueule. Alors je subodore que c'est le méchant. Mais on va vous sauver les gars, on va tous vous sauver. Enfin peut-être. Disons si le jeu est sympa. À mon pad. Hey. Salut bonhomme. Ça c'est trop bien fait, c'est magnifique, j'adore. Ça c'est quelque chose, on a envie de le toucher là, c'est... Mec, si t'arrives. Ah c'est pas grave. On est bien tout seul aussi. Oh. Oh, putain. J'essaie de remettre le câble là. Très encombrant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, faut que je regarde la situation qui m'intéresse. Donc, c'est parti pour le monde 1. Un peu lourdin avec ce casque en fait. Alors, ok. Putain, c'est cool. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu vidéo. Eh ben bonhomme. Bah ouais, on va y aller. Ah ça déchire. Ah c'est vraiment, vraiment beau. De toute façon, je pense que tout le monde le sait maintenant, la VR, ça se pratique hein. En vidéo, ça dépanne si vous voulez une démonstration. Mais... le jeu vidéo ça se pratique toujours. Une vidéo ne peut pas retranscrire toutes les sensations du... de la manette en main. Alors en VR, c'est d'autant plus. D'autant plus vrai. Voilà, ça touche bien. On a un bon framerate. La résolution est très juste, fallait pas descendre en dessous là. Bon alors petit détail, je suis sur PS4 Pro. Hein. Un peu plus performante sur la PS4 normale. Ah.
Ouh, ça m'a fait un petit truc, hein. Alors faut savoir que moi je crains les transports, donc la VR ça peut être compliqué pour moi. J'ai testé Wipeout, j'ai pas tenu 3 minutes quoi, c'était horrible. Alors c'est sur moi checkpoint. C'est génial. Oh, j'espère que je vais pouvoir tenir, j'ai pas envie d'avoir la nausée sur tous les jeux de plateforme, c'est... une malédiction ça. Hey, c'est génial. Ils sont trop mignons. On est reparti. Allez, champ. Salut bonhomme. Hop là. Allez, rentre là-dedans. Hop là. Hey, salut les gars. Rod un peu vite fait quoi. Ah mais c'est moi, j'ai ma tête qui bouge en même temps. Ah ouais. Eh ben écoutez, c'est parti. Ça fait bizarre, j'ai envie de tourner la caméra avec le geste droit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Excellent. C'est excellent de regarder son personnage. Un joli feu tricolore. Je peux rien faire avec. Parce que j'ai l'impression qu'il gueule. Oh putain. C'est énorme. Hey. Bon, y'a rien d'autre, hein, de toute façon, y'a carré pour taper. Joystick gauche pour se déplacer. Ok, ok. Eh ben écoutez, on continue. Ah, je vous jure, ça redonne le sourire, c'est vraiment la redécouverte. Parce qu'en même temps, je suis en train de jouer à Horizon en ce moment. Donc, le jeu est magnifique, c'est pour ça qu'il prend du plaisir. En même temps, c'est tellement. C'est vraiment dans les codes actuels, donc c'est très basique maintenant. Les codes d'un monde ouvert quoi, un jeu d'action, aventure dans un monde ouvert de 2020 quoi, 2021 pour être précis, mais... Ah il est là lui, on va sauter sur les bagnoles et hop là. Hey. Non mais n'allez pas trop loin, qu'est-ce que je fais là? Putain ça fait bizarre, il se passe des trucs de partout. Est-ce que je peux leur sauter dessus les... Ah mais je peux leur envoyer le jetpack. Est-ce que je peux... Aïe pas sympa. Je peux pas sauter dessus, donc en fait je peux les cramer avec le jetpack ou leur taper. D'accord, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Et ouais, faut retrouver tous nos petits amis cachés. Ouais. C'est vraiment excellent. Putain, on est en bas et tout, c'est un truc de fou. Bon, lui, j'allais le chercher, lui. Puis tout à l'heure, il queen en plus. Qu'est-ce que c'est ça sur le mur? Ok, il fallait le fixer du regard pour que ça fasse un truc. Bon, ok. Me demande si les fleurs là-bas. Un gros blob. Ah mais il me crache à la gueule. Putain, en plus j'ai eu un réflexe, je l'ai esquivé, je sais pas si ça valait le coup, mais. Ah c'est excellent. Bon alors. Et lui en bas là. Je vais pas te laisser comme ça. Déjà ça. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, il y a une main de gorille là. Oh putain, il y a encore une. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Bon, il y a une main de gorille qui a enlevé un truc, mais j'ai pas compris de quoi il s'agissait. Et est-ce qu'on a d'autres outils? Je sais pas. Déjà, je vais.
descendre, je pense qu'il craint rien, voilà. Ah bah voilà, il est à descendre, après tout il a un jumper à côté de lui. Salut vieux. Voilà, ça s'est fait, putain, j'entends plein de bruit de partout, je comprends rien. Ah oui, non, mais c'est quand il est rentré dans ma manette. Bon, là-bas, c'est que pour le décor. Ok. Bon. Je sais pas si j'ai raté quelque chose, mais... Voilà. Bon, le problème c'est que je peux plus voir avec ma menu. Ouais. Faut appuyer sur le taxi et là. Ah non, d'accord, je le tire comme un élastique. Il fallait peut-être viser dans l'anneau. Vous avez obtenu caméléon de l'espace. Trouvez-les pour débloquer des défis. Un caméléon de l'espace. C'est cool. Nouveau défi, astrobotil. Et là-bas. Il y a une planète derrière moi. Donc je suis obligé de faire le défi en fait, y a pas de... C'est pas l'alternative quoi. De toute façon, je comptais le faire mais... Port du casque obligatoire. Alors ça c'est très drôle. Putain, chantier, j'aime pas les chantiers. Eh ouais, bonhomme. T'inquiète, on y va. Alors, je fais glisser, hop, ma main sur le palais tactile pour le foutre par terre. Et on est parti sur un putain de chantier. Wow, on casse tout. Ah, ça, c'est mon cube. C'est vrai que mon avatar est un robot également. Oh là là, attends, il est où, mon... Il est là. Salut, Astro. Alors... Non, je vous jure, c'est vraiment oh, c'est génial. Bon, c'est un peu compliqué là avec cette caméra, mais c'est jouable. Je vous jure, c'est vraiment redécouvrir le jeu vidéo quoi. Après, si vous le trouvez à pas grand chose, pas cher, je veux dire, le PSVR ça peut valoir le coup maintenant. Savoir que sur Play 4 Pro c'est un peu, c'est plus joli, de toute façon je crois que c'est en 720 peut-être sur Play 4 et en 1080 sur la Pro, et sur la PS5 ça améliore encore un peu, c'est à dire que j'ai regardé une vidéo, genre le framerate était pas forcément constant sur PS4 Pro, c'était Resident Evil 7, le framerate était pas forcément constant et puis la résolution aussi était adaptative, donc pour garder le framerate justement. Et donc la résolution pouvait baisser à certains moments du jeu, histoire de garder un framerate stable. Sur PS5 donc, et ben le framerate reste stable tout le temps, et merde, j'aurais dû sauter sur les taxis. Enfin, en tout cas, le framerate restait stable sur PS5,
Et la résolution aussi. Voilà, si vous trouvez un pas cher, ma foi, ça peut être sympa. Je l'ai trouvé 90 balles sur le bon coin. Puis il y a pas mal de choses. Il y avoir pas mal de jeux, ouais. Sans compter qu'on peut regarder aussi des films en VR, même sur YouTube. Personnellement, je m'en fous un peu, mais j'irai tester quand même. Alors, seul bémol, c'est que moi, je suis à la manette. Donc, à la manette, on a moins de jeux. Je vais vous tester pas Spider-Man. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? D'accord, je vais juste rentrer dedans. Ouais, je disais, j'ai testé Spider-Man Farm From Home. Et il se joue qu'avec les moves. Et moi, j'ai que la manette. Les moves sont aussi assez chers, donc ça fait grimper le prix. C'est pour ça que j'en ai pas, et je pense pas en acheter un, vu l'intérêt. Parce que de toute façon, je compte revendre la VR. Je pense assez vite. Je crois que je refais à peu près tout ce que j'ai à faire dessus. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment comme quand on découvrait. C'est vraiment comme de redécouvrir le jeu vidéo, quoi. Quand on découvrait Super Mario Bros. Quand on était petit. Ben, je crois pour moi. Et puis après, l'arrivée de la 3D, Mario 64, quoi. Et maintenant, Astro Bot. D'ailleurs, Nintendo qui ont tendance à être malin. Savoir utiliser les technologies vidéoludiques. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Hey, salut vieux, tu crois que tu t'avais pas vu? Je suis vraiment bon. Allez, un plat dedans. C'est vraiment cool. Ah oui, mais il y a un autre truc là à défoncer. Ah mais il y en a d'autres. Bon, il y a une vise automatique. Hein. Le cacher. Je crois que j'ai oublié un truc là-bas. Je suis pas sûr. Je pense que oui, hein, c'est pour caméléon, je crois pas. Bon. Je pense que je peux avancer. Ah non, il y en a un autre là-bas. Faut quand même regarder les yeux sur lui là, parce que je le déplace sans le regarder des fois. Heureusement que je suis un excellent joueur. Ça permet de savoir où il se trouve sans le regarder. Checkpoint. Envoyer les thunes. Ah merde, fallait tirer sur les ailes là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait demi-tour? Je pense que je l'ai raté en fait. Hein. Ouais, il est parti. C'est-à-dire qu'il fallait être prêt, avoir une boule dans les mains et tirer sur ses ailes pour avoir un truc. Ok. Donc c'est le genre de jeu. Si tu peux rater des choses comme ça, tu refais les niveaux après.
Ah putain. D'accord, enfoiré. Excellent. Là, je le vois plus. Je te vois plus, bonhomme. Bon. Putain, mais on a au-dessus de ma tête et tout. Ok. Sympa. Alors, parce que ça, comment on va faire? Ah, on prend le jumper, je pense que ça va me permettre de sauter très très haut. En attendant, on va prendre ça. Le niveau commence à être complexe, hein. Commence à y avoir des trucs. Ouais, mais moi je fais demi-tour là. Ah, mais il veut pas? De toute façon, je vais me retourner sur ma chaise. Je vais pas laisser passer tous les trucs qui m'ont. Ah, c'est d'accord, je me suis fait avoir. C'est le genre de jeu de plateforme où tu peux pas reculer en fait. Donc tu peux rater des trucs. Donc, toi. Oh. Ah. Ah merde. Bon. Ouais, c'était déjà mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Eh ben, c'est une toute autre dimension. Parce que dans le premier niveau, c'était beaucoup plus. Je commence à me retourner sur mon fauteuil. Après, je sais pas si c'était obligatoire, peut-être, parce que j'ai raté des trucs. Un petit truc pour ça bouge. Motion sickness, comme on dit. Putain, qu'est-ce qu'on fait là? D'accord. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est excellent. Je me penche pour regarder derrière le. Derrière la poutre. Et ouais, vieux. Oups, c'est juste. Bon. Je crois qu'on touche au but. Allez, coup de tête. Allez, viens là. Je vais essayer de viser les anneaux. D'accord, il y a la flèche. Ok. D'accord. Hey, voilà. Eh ouais, les vieux. Quand même en plein kiff. Bon, voilà, j'en ai raté deux. Ça commence à se complexifier. Et j'ai pas eu de caméléon. La caverne d'Ali Popote.
ben let's go. Bye bye. Synchronisation. Ah, voilà. Là au moins, c'est pas un putain de chantier. Hop, descends là, toi. Allez, qui grimpe à l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, moi je vois un truc et je le tape. Hein. Je suis pas content. Yeah. Hop. Derrière les cascades. Putain. Sympa la musique en plus. Ah ouais, franchement, si vous voulez une nouvelle expérience, moi je le recommande. Si vous trouvez que le jeu vidéo tourne en rond. Putain, la manette a pris une drôle de position. C'est pas grave. Au début du niveau, je pense que... Je veux dire qu'elle est pas synchrone avec la vraie position qu'elle a dans la réalité. Elle est genre penchée d'un centimètre sur la gauche en trop. C'est pas gênant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des boîtes là-bas. Ok. Des champignons. Des plantes phosphorescentes. Et un boulet de canon. Excellent. Excellent. Oh là là. Pas de main. Ouais. Oh là là, salopard. Et alors? Au checkpoint. Ah mais en plus les pièces sont réapparues, faut que j'y récupère. Ah oh, la merde. Hop. Bon. Commence à jouer sérieusement. Ah, c'est pas pour les tapettes, hein. Au secours. Voilà. Parce que le problème, c'est que c'est vrai que tout est une question de caméra pour esquiver un objet. Et là, la caméra, c'est ma tête, ça fait un peu... C'est nouveau, quoi, hein, donc il me fait avoir par des trucs minables. Putain. Il vaut mieux se poser, observer un petit peu avant de faire le kéké en boîte. En boîte d'ennui. Et bien sûr, petit pote. Alors, là, ça sort d'ici, d'accord. C'est ouais, c'est ça, c'est un jeu où on peut pas retourner en arrière, mais lui là, comment je t'aide toi? Est-ce que je me suicide?
Bon. Mais ouais, mais je pense que c'est ça, parce que tout à l'heure, quand je me suis fait tuer, les caisses sont réapparues, mais pas le bot que j'avais sauvé. Donc c'est ça, je pense qu'il va se suicider et je le sauve. Ça sert à rien ce que je fais, vu que je dois récupérer les caisses. Je les perds de vue. Ouais. Oh là 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 là. Faut faire gaffe quand on avance parce que ça peut reculer après. Bon allez. Ah non, c'était pas ça. Ah non, mais ça doit être de l'arnaque, hein. C'est juste un piège, c'est pour ça que c'est un squelette aussi. Un peu de bot. Ouais, à mon avis, c'est juste un piège. Moi j'aime pas l'autotune. Faut qu'il gueule, j'attends d'entendre de cette tapette du R&B moderne. Bon. Yeah. Ah non! Bah c'est pas grave. Avec une vie, on va pas chercher ça. Oh là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, faut pas avancer trop vite, hein. Vraiment faut observer. Oh putain, il y avait un ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Oh, oh le sol, c'est des robes sous mes pieds. Comment ça marche? Il tire, il lui, voilà, c'est logique. Oh là là, putain, mais abruti! Se calme! Se calme! Merde, j'ai entendu un cri là. Ça va, c'est bien. Oh putain. Qu'est-ce que... Ah. Comme quoi... Attends, mais c'est moi ou il y a un boulet qui me fonce sur la tête? Non, mais c'est ça. Alors.
Là, je suis peut-être un peu trop avancé, j'y vois plus rien. Mais au moins, je me prendrai plus le boulet. Il est là. Voilà, je le laisse passer. Et je t'ai sauvé. Sauvé. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Parfait. Très intéressant. Alors, on a un petit bonhomme en bas. On arrive là. Aïe, au pays des merveilles. Oh non, non, non. Voilà. Allez. Non. Ouais. Un peu moins concentré que tout à l'heure. Cowboy Bebot. Voilà, qui est un clin d'œil à un manga pour ceux qui ne connaissent pas. Un manga très connu. Avec des cowboys. Ah mais si, elle est là-bas, ceinture des défis. Vas-y, on va voir ce que c'est. Astro Baptiste. Cette fois-ci, on essaye de se mettre bien. D'accord, on a un chrono. Si je le fais en moins d'une minute, j'ai l'or. En moins de 3 minutes, j'ai l'argent. Donc faut tracer. Ah mais tu vois rien. Allez maintenant c'est. Oh putain, c'était des plateformes. Des plateformes coupées comme ça, ok, bon.
c'est reparti. Oh. J'y étais. C'est pas où je vais. Putain, c'est là-bas. Oh, bon. On apprend. On est sur la bonne voie. Non mais quel con. Putain. Il faut savoir que quand vous avez lancé le jetpack, si vous le lâchez, vous pouvez pas le relancer. Alors déjà il reste pas très longtemps. Hein. Parce que à chaque fois que vous le voyez, c'est pas moi qui l'arrête le jetpack, hein, ça arrête tout seul. Alors surtout tu peux le lancer qu'une seule fois après avoir sauté. Putain, on va s'en sortir vivant. Putain, Astro. Je vais remettre à picoler. Et ouais, mais j'y vois rien, j'y vois que dalle. Faudrait peut-être que je me penche, je sais pas. Faut pas que j'atterris, donc il faut mettre. Comment ça devient relou dans cette histoire. Allez, là on y est. On n'y est pas. Ah oui, on n'y était pas. On n'y était pas. Ah, les petits cons. Pose là où j'y vois, voilà. Oui.
Eh ben. Alors, ça m'a fait plaisir. Petit score. Yes. 58 secondes 64. Ah non. Hey, see you. Que le monde 1 en plus, c'est cool. Allez, Cowboy Bebop. Ah, il y a mon camion. Hop là. C'est ça qu'il faut chercher. Bon, c'est reparti. Putain, je regarde ailleurs. Techniquement, c'est exemplaire. Yeah. Bon. Ah. Astrobash. Hey, salut petit. J'entends des sons, voilà c'est ça là-bas que j'entends. Je vois pas ce que je fais là. C'est intéressant mais je sais pas. Ok, il est là. Tiens. Non, faut savoir où tu te trouves. Hein. Je pense que je vais enregistrer tout mon playthrough pour un gros souvenir. Aïe, aïe. Oh putain, ça picote. Faut pas flipper comme ça. Hein. Oh là 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 là, bordel. Ah, je peux récupérer les pièces. Bon.
Non, mais non. Putain, fragile ce robot. T'es une petite chiotte, toi, hein. Eh ouais, une petite tapette. Le risque, au moins, Aloy... Aloy, elle est moins fragile que ça. Et elle est rousse. Elle fait deux avantages sur toi. Bon, bon là. Coquette. Ah ah. C'est du boss. Hey. J'ai une nouvelle capacité. Excellent. S'accrocher à ma manette. Ça, ça tue. Waouh, c'est énorme, c'est énorme. Je tire. Excellent. C'est putain le bot mort. Excellent. Je me sens à nouveau comme un enfant. Oups, porte. Ça là. Hop. Et je le fais grimper, je peux. Voilà. Putain, mais ça tue. Après je grimpe, je monte ma manette et je peux le faire. C'est un truc. Ah non, mais même pas je... D'accord. Je vais basculer ma manette en arrière comme ça d'un coup sec pour faire sauter. Wow. Génial, il y a un vautour. C'est génial. Ah, il est méchant. Et un copain. Je observe un petit peu ce qu'on rate des trucs. Bon, là ça va. Allez, c'est parti. Aïe, putain, saloperie. Efface-moi ça. Bon, et alors? Aïe, après je tire. Ça va. Mais tout l'intérêt de bien mettre sa... bien synchroniser sa manette avec le jeu, parce que là, un peu décalé par rapport à ce... par rapport à ce que j'ai dans la main. C'est très jouable, hein. J'ai un petit décalage d'ascension. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Ah, ils auraient pu mettre auto-aim un peu plus souple là, ça sert à rien de m'emmerder comme ça, là je suis dessus, je bouge d'un millimètre, ça le fait bouger de... C'est très bizarre. Bon, cool. Non mais en plus... Non, mais en plus ça reprend pas la bonne position. Enfin, c'est un peu mal branlé là. Parce que... J'étais dessus là. Je fais une connerie. Non, c'est ça. On voit le câble se dérouler dans la manette, c'est vachement, vachement bien fait. C'est juste au niveau de la visée là, c'est... Non, là non. Au niveau de la visée, il y a un problème. Bah, surtout quand je tire dessus... Il aurait pu être plus souple, ça sert à rien.
Ah ouais. Non mais en plus je décale ma manette, savoir que je décale ma manette d'un demi millimètre, mais à l'image, pas dans le jeu, on dirait que je fais un décalage de 50 cm. Hein, c'est très bizarre. Et alors là j'ai pas bougé, mes trucs, il est parti à gauche. Comment je fais pour resynchroniser? Je peux pas. Menu Astrobot, écran titre, reprendre. Je vais resynchroniser ma manette, la mettre bien. On va rester là. Hein. Ah voilà. Je peux bloquer ici. Non, mais je décale ma manette. Ah, mais là, je t'ai su, là, je suis désolé. Un peu peut-être, je sais pas. Putain. Oh, j'avais plus de câble. Ah non, mais c'est ça en fait, j'étais trop loin. Je pense que c'est ça, j'ai plus de câble et je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait j'étais trop loin, mais je suis pas sûr. Ah, tout de suite, tu vas te trouver. Hop. Hop. Voilà. Donc je vais avancer un peu, ok. Karaté bot. Attention, non, attends, ouais. Wow. Pas mal, crâne ce casque. Oh dieu, j'arrive. Oh non, oh non. Je l'ai perdu ce con. Saute dessus. Eh ouais, mais j'aimerais bien dire t'aider, mais là. Hey. Ouais, je suis pas assez haut. La corde elle est là. Ouais, lui je l'ai perdu. Il fallait faire l'arrivée de l'or. Oh putain, je vais casser le casque, ça me fait un peu mal. Désolé pour le bruit. Et j'ai une visuelle. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a des petits... Ah oui. On va essayer de viser dans les anneaux. Thank you.
petite souris. Débloqué avec 20 votes. Bon, bah, on va tester, hein. Prends le boss. Oh, putain. Excellent, excellent. Merci. J'adore ces petites créatures. Il m'énerve après, il désynchronise carrément. Il fallait encore plus pencher. C'est pas grave. C'est pas si grave. Ah oui, on tire. J'ai dit on tire. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Tirer un peu plus. Ah mais je suis sur une play. C'est la play 1. Excellent. Excellent. Est-ce que je peux faire pour la route? Bon, ils sont faits là. C'est bien on esquive ça, je pense. Ah bordel. J'ai cassé les chicots. Hop. Et on tire, ok. Oh là là, non. Et la dernière. Ah putain.
Là, je suis sur une play, c'est génial. Ouais, et puis je répare le truc du début là qui s'est fait défoncer. Ah. Allez, hop, saute là-dedans. Ouais, à plus tard, vieux. Non, la play. Nouveau défi débloqué de temps pour temps. Bon bah c'était le premier monde. Vous avez un morceau du vaisseau, 1 sur 5. Ok. Astrochip ouvert, venez dépenser vos pièces, excellent. Et l'astrochip, alors qu'est-ce qu'on peut acheter dans l'astrochip? Détendez-vous avec l'équipage. Ah, ok. Pourquoi pas. Après, j'ai trouvé tous les bots que j'ai sauvés. Vous pouvez aussi dépenser vos pièces pour débloquer des sets de jeu. C'est-à-dire... Et ouais, bonhomme. Hop. À voir tes copains. Salut, Pauline. Je peux leur casser la gueule. Yes! Ah oui, ça c'est ceux que j'ai eu dans le défi. Ils sont vachement beaux. Bon, c'est cool ça. Alors, qu'est-ce que des sets de jeu? Excellent. Toboggan. Hey, il est parti où? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, on verra ce qu'on peut acheter. Les yeux bleus sont ouverts. Avec ça. Wow, qu'est-ce que c'est? Ok, 995 pieds. Ah, ça va être là. Marche aussi si je l'enlève du... Non, il faut qu'il soit dans le sol. Okay. Bah, ça marche pas les gars. Putain, évidemment, il a fallu que je prenne un truc pas bon. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je suis supposé en faire? On va compris, mais... Je sais pas ce que c'est. Peut-être juste des figurines à collectionner, quoi, des petits morceaux de décor, des trucs comme ça. J'aurais bien aimé les skins. Les skins pour mon robot. Oh.
Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est juste les... Ah, c'est pour observer des petits morceaux. Ouais, ça va être ça. Au moins ça marche mieux que les UFO, je vois, catcheurs traditionnels, qui sont réglés pour nous faire perdre. Joli en fait. Hein. Ouais. Ah vraiment c'est très joli. Puis à la limite, pour moi j'ai jamais trouvé ça très intéressant de débloquer des modèles 3D, même si je comprends tout à fait dans le cadre d'un jeu vidéo, je trouve ça très, très pertinent finalement pour la collection. Débloquer un modèle 3D voilà, dans un jeu qui est composé de modèles 3D. Parce que moi ça m'a jamais trop branché. Ça c'est très joli et ça prend encore une autre dimension en VR. Et alors ? Ah, ça me fait un petit truc thématique quoi, pour m'amuser. Il y a même des méchants. Je pense que c'est juste pour se défouler et tout, mais c'est... Oh putain, il y avait des... C'est pour ça qu'il disait 7 de jeu. Après ça fait un espèce de petit jeu de plateforme. J'adore. Mignon. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Non, vraiment, j'adore. C'est mignon. Ah, puis là, ça devient intéressant. Ça, j'ai mis autant intéressant de débloquer des modèles 3D dans un jeu. Que mon micro était mal placé tout le long de la vidéo, j'espère que le son sera pas trop pourri. De toute façon là je vais m'arrêter là, j'ai fait le premier monde.
Putain, j'espère que le son sera pas trop pourri, on va voir ça très très vite. Et voilà, merci d'avoir regardé. De toute façon, je ferai la suite très bientôt.